Et salut YouTube, comment ça va? Aujourd'hui on part à l'aventure vers le château d'Hyrule pour aller à la suite entre Chiloria et la ville des humains. D'abord nous cherchons la sortie de la mine. Comment ça va? Oh quel ennui hein. Non là c'est la suite. Ok c'est pas par là. Où est la sortie secrète? Mal. C'est de la merde. Oula. Bon, on descend. Je suis sûr que j'ai loupé un truc. Je suis sûr que j'ai loupé une info importante. Je suis un gros connard. Bon, on descend. Moi j'ai 100 au secours. Oh voilà, on est déjà perdu YouTube. C'est mon Google, oui. Je crois que c'est la pire idée de ma vie. Vous savez où c'est la sortie? Pas que je fasse tout le chemin, il a dit qu'il y avait un raccourci, le monsieur. Attends. Oh là, mais quelle emmerde. Mais là je me fous le chemin. Ah non mais non. Je suis perdu. Comment on y va? Pas se téléporter. Moi je veux bien. On descend. C'est par là? Par là? Mais. Je me retape tout le chemin à l'envers, je suis un connard! J'ai loupé le cut, c'est ça? C'est ça que vous me dites? Non mais non. Mais non. Comment? On va sortir par là. Comment on fait? S'il vous plaît. Au secours. J'ai pas vu le chemin. Au secours. J'ai coupé une info. Oh, on est encore perdu, hein. Je vous l'avais dit, YouTube. Hein. C'est l'épisode de la déchéance. Le monsieur, t'as oublié ce qu'il a dit. Mais oui. Mais non, mais ça fait tellement longtemps hein, qu'on n'a pas joué à ce jeu aussi. Oh, mais quel ennui. Quel ennui. Hein. Moi, j'y arrive pas, genre de choses. C'est pas fait pour moi, hein, vous savez. Vous savez, moi. Moi, je joue à un jeu, j'avance et après, on me ramène à la suite, quoi. Je suis pas là pour chercher. Hein. On joue à Mario. Mario, c'est plus simple. Ok, on rentre déjà dans la mine. Il a dit qu'il y avait une sortie, qu'il y avait un raccourci qui menait à la putain de ville. Ça fait 10 minutes qu'on est sur l'épisode. C'est merveilleux. C'est merveilleux, on s'amuse. Attends. Oiseau! Ah, voilà l'oiseau que tu es! Château Hyrule! Oh là là, mais quelle emmerde! Mais quelle emmerde! Il est plus là! Oh, y'a un cut là, y'a un cut. Attendez. Tiens, regarde sa boule! Tu vas me faire tout sur son dé! C'est bon, trouvé. Ne vous inquiétez pas, j'ai la solution. Tout va bien. Voilà.
Savez, moi, je suis un professionnel. Ah, mais ta gueule. Attends. Attends, oui. Et là, je fais ça. Oh. Oh, ce génie. Attends. Pied du mont Google. Et là, on a des vues. Voilà, ça va, hein. Allez, vous parlez, mais... De toute façon, on le sait très bien, sur le chat, vous avez tous fait le jeu. Vous êtes tous beaux, tous forts. Incroyable, bravo, GG. Hein. Voilà. Maintenant, laissez-moi découvrir. Ok. Voilà des rois. Allez, roi château. Maintenant. Maintenant, il y a des cuts de partout. Ah, attendez, on est sur la carte. Ta gueule. Ah, oh, mais je fais select depuis tout à l'heure pour la carte. Ça ne fonctionne pas, vous savez. Ah, mais faut aller en bas. Je vois où faut aller. Vous vous souvenez le petit trou, là? En ville. Déjà, on fait ça. On active l'interrupteur. On répare le pont. Ça a complètement du sens, hein. Sachez-le. C'était calculé. De l'herbe. Mon joyeux. Il est où? Oh, je suis dégoûté. Yes, du grillage. Ok, into... Je suis au château là? Château d'Hyrule, au nord. Bah oui, mais attends, joyau. Pourquoi? Jardin. Oh, ne risque pas de se faire virer! Habillé comme on est! Je me sens pas trop à l'aise dans ce genre de nouveau droit! Je roule dans le sol, moi je m'en fous. Bonjour. Très bien. Avançons dans le château. On n'est pas encore perdu, hein. J'y crois mort. Bonjour. Heureux de te revoir! Pi. Gâteau. As-tu réussi à recréer l'épée sacrée? Comment? Le sanctuaire? C'est quoi la voix que je lui disais à l'époque, je sais plus. Je n'ai jamais entendu parler d'un tel roi dans mon château. Sanctuaire? Mais laisse-moi réfléchir. Ma grand-mère avait une porte dans le jardin intérieur étant petite. C'est la porte qui mène au sanctuaire. Dans le jardin intérieur. Quelle merde. Bonjour madame. Bah techniquement je suis un VIP du château. Bon, le jardin intérieur. C'est où? Bon, il n'y a qu'un seul le jardin, on est d'accord. Bon, les sommages de fragments ça m'emmerde. Hein. Voilà, faut appuyer sur L et tout avec les gens là. Moi je suis pas social. Hein. Il n'a pas lu. Alors non, faut trouver la porte. Mais. Oui. Me passez s'il vous plaît. Je suis en mission pour le roi. Je cherche la porte. C'est un extérieur, c'est pas intérieur. Il où ce jardin? Oh, moi j'aime pas les châteaux, vous savez, hein. Les châteaux, c'est compliqué. C'est grand, hein. On s'y perd. On sait plus trop ce qu'il y a à l'intérieur et extérieur après. Hein. C'est à quel étage? On sait pas. On devait descendre. On va regarder. Jardin. Est-ce qu'ils ont un jardin qui serait genre caché sur le terrain? Faisons le tour. Je suis perdu, hein. Ah là. Ok. Regarde, gâteau. Ce ne serait pas la porte du sanctuaire? Apparemment, les autres ne la voient même pas. Mais peu importe. En moins temps, là. On est quand même dans la foi unique du siècle, hein. Et ça, c'est beau. Ça tombe plutôt bien, quand même, hein. Ce Karine of Time. Tum
Ah, c'est parce que j'ai l'épée. Nous voici donc dans le sanctuaire. C'est ici qu'on peut imprégner l'épée du pouvoir des éléments bleus. Regarde, il y a un socle au centre qui doit servir à placer l'épée. Un truc que je peux passer à côté, il n'y a pas un second joueur. Ah mais c'est pas pour la suite de l'histoire du coup, on est d'accord, ça n'a rien à voir. Et là je me téléporte au prochain donjon. Vous avez imprégné l'épée des forces de l'élément terre et rouge et de l'élément feu rouge. Mais non. Voyez un peu ce que ça dit. Concentre l'énergie de l'épée et marche sur les dalles lumineuses. C'est sûrement les dalles qui sont là. Tu devrais essayer de marcher dessus en maintenant le bouton de ton épée. Il y a un bouton. Non. Ah. Où tu vas? Puis marche sur les dalles et concentre sur ton épée. Voici donc le pouvoir de l'épée blanche. Bleu, tu vas pouvoir créer des doubles de toi-même grâce à cette dalle. Ah, j'ai compris les lignes. Ne vous inquiétez pas, je gère la situation. Regardez. Merci tous. Un compresseur ? Pourquoi faire ? Pour les faibles, les compresseurs. Au revoir. Tu as tué ton clone. Bon, c'est pas grave, on fera ça. Donc l'énigme, c'était pour ressortir quand même. Tutoriel. Instant tuto. On est bon. Je sais pas régler le son, moi je m'y connais pas. Bon, on va où maintenant ? Bon, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. On se casse. Donc on a une nouvelle technique. Le... C'est ça. Mais qui voilà. Ne serait-ce pas mon cher maître. Je ne pensais pas vous trouver ici. Ah merde, c'est lui. Toujours sous cette forme pitoyable. Mais alors, ma magie vous plaît-il? Rien et personne ne pourra briser la malédiction que je vous ai jetée. Allez, combat Pokémon! Le Pokémon, c'est comme ça quand tu rencontres le chef, il te fait un petit combat en plein milieu. J'ai l'impression que tu n'as pas changé! Je n'ai pas fabriqué un chapeau pour servir tes sombres dessins! Un chapeau qui exauce tous les vœux de son porteur. Quel objet formidable. Grâce à lui, je suis devenu un être exceptionnel. Un sorcier en bleu invincible. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver la force. C'est à vous que je le dois. Acceptez ce modex de gage de ma gratitude. Attends! T'en fuis pas, Mati! Thank you.
Non, mais c'est un skip. Vous allez voir. Là maintenant, du coup, j'ai passé l'animation du combat. Du coup, je n'aurai pas à refaire le combat. Oh non, faut se retrouver. Oh non, mais non, mais non. Mais. Au revoir. Ne me poursuivez pas! Abruti! Oui! C'est pris! Vas-y, vas-y! Qu'est-ce qui me jette encore? Gâteau! Je crois que tu dois avoir. Je crois que je te dois quelques explications. Oh putain, il va doubler tout le long. Va, dis-moi, sale débiliche. Je suis un sage renommé dans notre monde. Va, t'es mon disciple. Oh putain, ça va être long. Il était fasciné par le côté obscur du cœur en bleu des humains. Un jour, il a volé le chapeau à vœux que j'avais fabriqué pour les humains. Oh putain. Tu as fait du mot si dégueulasse. Oh, ça y est, c'est un oiseau. Oh, Vati, que fais-tu là? Vati, que fais-tu avec ce chapeau? Cette voix me manque, hein. Je suis devenu un grand sorcier en bleu. Je suis sub sur Marble. J'ai acquis un pouvoir incomparable. Oh, scélérat! Qu'est-ce que tu manigances? C'est cette année que doit s'ouvrir la porte. Une seule chance par siècle. Je vais m'emparer de la force en rouge et devenir un être divinement parfait. Toute personne ne pourra m'arrêter. Jamais. Oh! Non, je veux pas changer de voix! Oh! Il suffit! Au secours! Oh, 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 oh! Que pensez-vous de ma petite malédiction en bleu? Je vais faire pire à Zelda. Réduire un tel état, même vous, maître Exelo, ne pouvez faire grand-chose. Sur ce, je vous laisse. Tu dois certainement connaître la légende des mini bleu. Celle dans laquelle ils offrent aux humains une épée de lumière d'or. C'est la présence d'en fait l'épée mini rouge et la force. Oh, j'ai mal à la gorge. Hein. Et vous, mal aux oreilles, oui. La force en rouge est une source de magie inépuisable. Si Vati venait à s'en emparer, ce serait une catastrophe. Pardon, j'ai un réflexe. J'étais venu dans votre monde pour arrêter Vati quand je t'ai rencontré. En tout cas, il a bien grandi entre temps, vous remarquerez, alors que ma cam est morte. Là. À la base, quand il l'a rapetissé, ils étaient miniches. Et ils sont devenus taille humaine. Comment lui est devenu taille humaine dans l'histoire? Il y a un truc que je comprends pas. Bien après, il a des pouvoirs magiques, parce qu'il a passé par l'arbre pour le faire, je sais pas trop. Il semble bien que la magie bleue qui m'a frappé ne puisse être brisée. Oh! Mais avec l'épée sacrée! Nous devrions pouvoir sauver la princesse Zelda en vert. Je me sens responsable de ce qui lui est arrivé, tu sais. Je t'aiderai jusqu'au bout. Parce que je suis un infidèle. Et que je commence à mal à mâchoire à force de la bouger en boucle, mais j'arrive pas à l'arrêter. Au secours! Bon, assez parlé du passé. Allons chercher l'élément suivant. C'est lequel le suivant? Moi je pense que c'est celui-là parce que on peut y aller. Maintenant, vous allez voir. Alors déjà, on va aller voir le maître de l'épée. Bonjour. Mais cette épée. On dirait que tu as progressé. Bon, bien si tu le souhaites, nous pouvons reprendre ton entraînement en bleu.
veux-tu pour suivre l'entraînement en bleu? Non merci. J'en serais honoré, wesh. Écoute bien, voici une nouvelle technique. L'attaque brise rocambole rouge. Premièrement, en bleu, frappe un rocher ou un pot avec l'épée. Et voilà, c'est tout. Tu as compris? Bien, très bien. Je n'ai pas compris à ce niveau, je n'aurais pas su quoi faire de toi. Mais une technique d'épée ne peut s'apprendre qu'avec la pratique. Quoi? La dernière fois, je vais prendre le contrôle de ton corps. Ah! Aux yeux du compte de l'école, dessine. Prise de contrôle. Contrôle. Quoi? Pfiou! Vas-y, vraiment à toi. Bien, remarquable, je te remets ce précis d'escrime. Si jamais tu veux une technique, il te suffit de consulter le précis d'escrime. Trop bien. Merci à toi. Y'a d'autres trucs? À courir aussi vite que le vent. Bon, c'est où on doit aller? Là-bas. Pas du tout. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ouais? Quoi? Trop bien. On est content. On est content. Allez, gâteau. Oh, j'y retourne pas. Hein. C'est trop loin. Ça fait quoi? Quelle emmerde. Non, mais quelle emmerde en vrai. Non, mais j'ai pas envie. Ouais, ah ouais, c'est bien. Au revoir. Souvenez-vous! Merde. Et salut Muggy! Comment ça va? Alors merde. Très bien, faut aller où du coup? Aucune idée. Oh non, mais quelle emmerde! Vous vous souvenez quand la dernière fois on s'est coincé pendant environ une demi-heure? Et bah voici le second épisode. Pas du tout Zelda, bah écoute, on continue l'aventure. Hein. On veut déjà la continuer la semaine passée, malheureusement, la maladie nous en a privé. Ok, c'est la merde. Là, je peux toujours pas y accéder. Non. Très bien. Vous vous souvenez quand j'ai pété un cap à tout plus la merde? Bah, c'est parti. On va essayer par la ville. Je vais avoir un plan. Je vais avoir un plan. Peut-être que maintenant ils m'ouvrent la porte droite. Ah, peut-être que les mecs, ils aient les travaux ont fini. On va aller voir. J'ai hâte de vérifier tout ça. On va s'amuser. Hein. Trop bien. Ok, ouais, je suis en retard en quoi. Ah, ouais. Que les ailes du vent t'accompagnent pour tourner la force sacrée. Tiens! Regarde ça vole! Ouais, je parle. Ouais, ouais. Super, t'as l'autre âge? Non. Oh, je peux aller là! Super. Oui, les bombes. Yes. Ok. La suite. On avance, les amis. Oui, super. Là, je peux y aller. Rentre là. Into là on peut. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Cascade de Sera. Cascade de ses morts. C'est la cascade de ses morts. Ça va être sympathique. Oh. Trop bien. Ah, c'est une... Super. Ferme long long. Et là je suis coincé. Super. Merci beaucoup. Cascade de ses morts inutile.
Pourquoi on dirait qu'il y a cassette de grande finale sur le G4G? Pourquoi il n'y a eu qu'un seul set? Il y a pas eu de reset? Faut demander. Peut-être qu'il y a eu deux sets et que c'est pas écrit hein, après. Demande à Kles ou à... ou à Stan. Pierre Melon, c'est parti. Ah merde. Quelle merde. Attends. Regarde. Mm-hmm. Bah, je sais pas, peut-être qu'il y a eu reset sans que tu le vois, hein. Faut voir. Faut demander aux joueurs. Non mais va-t'en. Est-ce que je peux rentrer en tant que mini sur ton nom? Non, je peux rien faire en fait, c'est plus la merde. Tu me vois plus? Ok, on peut rien faire. Très bien. La fin de Melon, on s'en fout. Je sais pas où faut aller maintenant. C'est un peu le libre service hein, du jeu. Putain, mais il me bloque ces pierres, comme une... C'est pas là qu'il faut aller en tout cas, apparemment. Hein. Colline de l'Est. Et une maison. Maison vide, elle est ouverte. Bravo. Ok. Allez. Où suis-je? Vous pensez qu'il faut aller à l'est ou à l'ouest sur le chat? De manière rationnelle. C'est bon, ça coince un peu. Ouest, c'est averti. Allons à l'ouest. Attendez. Attendez, peut-être. Là, voilà la forêt de Chiloria. Il avait dit ça. Il y avait pas un raccourci entre Chiloria et je sais plus quoi? Bienvenue à la fontaine des aventuriers. Je suis très très embêté. J'ai besoin de beaucoup de rubis. Pour enfant bébé, Sida, s'il vous plaît. Pourrais-tu me donner tous les rubis? Oui. C'est vrai? Mais si tu me donnes tous tes rubis, tu n'en auras plus un seul. Oui, madame, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, je suis célèbre. Es-tu sûr de vouloir me les donner? Ouais, vas-y, prends. Tu es vraiment très bon. Garde tes rubis, je n'en ai pas besoin. Je vais te récompenser pour ta grande gentillesse. Vous obtenez une grande bourse pour être porté plus de rubis. Que la fortune guide tes pas. Ah. Très bien. Plus de pognon. Plus de pognon, les amis. Et ça, c'est cool. Bon, ils avaient dit au nord de Chiloria, il me semble. Hein. Donc c'est ça, faut aller à Chiloria. Est-ce que tu t'es trompé, Azartic? Moi, je sais pas. Je suis la fée fortune. Énorme, champi! Merci beaucoup. T'es fou, hein. Avant, je vais dire merci sans m'en rendre compte, parce que ça va devenir normal que je fais les bits. Moi, je fais une normalité, hein. Ça fait toujours très plaisir, les bits. Une par une, 100 par 100, 1000 par 1000. Libre à vous. Non, je peux aller là ou pas? Toujours pas. Toujours pas. Il y a un chemin mini-niche là. Mais ça sert à rien d'y aller le chemin là, parce que là, il se moit le niche. Mais je te dis, je demande directement au site. Hein. Tu auras plus de réponses, je pense, qu'en nous demandant ici. Hein. C'est ouf. On va aller à l'ouest, je pense. Mais il avait dit au Chiloria, le mec, il me semble, dans mes souvenirs. Dans mes souvenirs, il avait parlé d'un passage avec Chiloria depuis le château ou je sais plus trop quoi. Non? Il n'y avait pas ce bail-là? Faut aller où? Attends. Il ne nous manque plus que deux éléments.
Je sais plus où c'est. Au sud du marais, à l'ouest. Ah. Tu avais raison, Zafit. À l'ouest. À l'ouest. On n'est pas encore perdu, on n'est pas encore au stade où je m'énerve. Vous voyez ? Là, pour l'instant, on le vit bien. On le vit bien. On s'énerve pas. Je sais plus ce que je fais, je joue pour l'instant. Ok, là, on peut pas y aller. Pour l'instant, c'est coincé par la pierre. Là, y a rien, à mes souvenirs. Donc, il faut aller au sud. Il faut aller plus bas. Allons donc plus bas. Ta gueule. Là, pareil, quoi. Là, c'est la maison bizarre, il me semble, à mes souvenirs. C'est ça. Donc, il faut aller plus bas encore. C'est par où nous voulons passer pour aller plus bas. Attends, c'est ça qui s'est ouvert. J'ai aucune idée de voir où passer, encore une fois. Est-ce que vous savez où? Ça, on l'a fait déjà, je crois. Non. J'ai pas compris l'intérêt. Faut se souvenir de tout ça. Il n'y a pas les travaux à un endroit là. Bon, du coup, est-ce que vous avez des idées, les amis, par où on peut passer? Peut-être qu'il faut repasser par la montagne. Ah, la musique, ouais, quelle musique, hein, quelle musique. Bon, on est encore dans une phase de recherche, hein, les amis. Va au cercle de pierre, tu y trouveras la clé. Qu'est-ce que le chat raconte? Ce que je veux, ça est là. Descends. Si on passait par en bas. Est-ce qu'il y a un chemin en bas? Non, oui, je sais. Regardez. Ah, c'est parce que je suis un génie. Hein. Ok, on est bon. Ta gueule. Oui, t'as déjà parlé. C'est ça que je voulais faire. Tais-toi. Taisez-vous! Attends, attends, attends. Oui, au secours, à l'aide. Non. Y'a rien. Super. Il y a une maison. Bonjour. Je suis Poyman. Le plus grand poète d'Hyrule. Je crois savoir que tu t'appelles Gâteau, n'est-ce pas? J'ai parcouru le royaume tout en causant des poèmes en chemin. Je voudrais rentrer chez moi après ce long périple, mais la route est bloquée. En plus, j'ai trouvé deux fragments qui s'emboîtaient, mais j'en ai perdu un. J'ai dû le perdre à l'auberge ce soir. Pas de chance, hein. Je crois qu'il faut que je prenne ma peine avec un poème. Tu m'as quitté, petit fragment, plongeant mon cœur dans le tourment. Inaccessible, telles les étoiles qui de la nuit égrayent la toile. Super. Abonnez-vous pour tout. Ok, on descend. J'y crois mort. Une boîte de l'ouest, il y a une cinématique, c'est bon signe ça. Attends! J'ai senti comme une grande aura en provenance du château. Qu'est-ce que ça peut être? Oh. Oh la merde. Oh, il suffit. Que se passe-t-il? Vachi, comment es-tu entré ici? Je sais pas, comme le gamin. Mais que fais-tu? Attends, si c'est un vrai spoil, moi je le banne.
tout le monde est présent, le roi d'Hyrule va parler. Vous devez la connaître ? La force que les munis ont jadis confiée, confond les personnages. Aux humains. Cette source de magie infinie que certains appellent la lumière d'or, en blanc. Elle se trouve forcément quelque part ailleurs. Il me la faut. Ah, Vati a pris contrôle. Vati a pris contrôle. Mettez-vous immédiatement à la recherche de la force. Et ne traînez pas. Ramenez-vous vite la force. Ceux qui désobéiront seront jetés au cachot. Avec leur famille entière. Dépêchez-vous. Passez-moi Hyrule au pain de faim. Frère, j'ai hésité. J'espère qu'il se passe très grave. Non, c'est dans ta tête. Mais j'ai un putain d'élément. Il y en a un près d'ici, sur la carte. Super. Il y a un putain d'oiseau de corbeau là, à gauche. Il y a deux putains de corbeaux et un cadavre. Cadavre, cadavre. Cadavre. Dans le côté, il n'y a pas droit, je crois. Trop bien. Into. Je libère le passage. Super. Ah ouais, on y arrive. On y arrive, non. M'arrête ta bande, n'oublie pas vos bottes de Pégase. Oui. Vas-y donc, je m'arrête ta bande. C'était pas très accueillant. Mais un élément d'autant au-delà de ce marécage. Allez, Kato. Faut pas traîner. Ne pense qu'à une chose. Avancez. Comment on reste mal à pied? On va trouver autre chose. Oh, la musique est bien. Que faire? Que faire, les amis? Ça passe pas, en tout cas. Faut trouver une solution. Il faut trouver les bottes de merde, là. Il y a un coffre doré à droite, là. C'est bon signe, ça. C'est bon signe, le coffre doré. Comment y aller? Ouais. Une maison. Ouais. Est-ce que vous pensez que les bottes sont là? J'ai planté un haricot près de ma maison, mais il refuse toujours de pousser. Je m'emmerde. Je suis où là? Non, pas là. Comment elle est là? Faut trouver la maison, je pense, à mon avis. Faut descendre là. Ça, comment on les passe, ces trucs-là? Comme ça. Vous allez voir. Oh non, pas comme ça, pas comme ça. On a libéré un chemin, je sais pas ce qu'il faut retourner. Peut-être qu'il faut aller faire des courses. Allons faire des courses en ville. Faut acheter les bottes. On va acheter les bottes. Allez voir, ça va être du génie. Bonjour. Ok. Ok. C'est où ces putains de bottes, chaussures? Voilà. Donc ça. Pourquoi on triche là? Pourquoi je peux pas passer la cinématique de ses morts? Mais oui, il est mort. C'est horrible, hein. C'est horrible. Aïe, aïe, aïe. Les chaussures ont disparu par contre. Hein. Bonjour.
Sois pas gâteau. L'humain qui met le taf forger une épée. Alors comme ça tu veux surprendre la classe. Je vais mettre un aventurier mais je dois aider Sopor. Tu veux des bonnes pogas, ça tombe plutôt bien. Du coup je te rends une paire de son nom que Sopor qui s'est endormi. Mais il n'y a que lui qui sache en faire les finitions. Même c'est que Sopor a beaucoup de mal à se réveiller. Tu peux essayer, tu devrais aller voir Sirup, le sort de la sorcière. C'est un peu loin, regarde par là. Oh non mais non. Oh non mais putain. Oh c'est infini. Souvenez où est la sorcière? On y va. Bon, faut aller voir la sorcière, je pense. Hein. C'est parti pour. Hein. On est parti pour la sorcière, c'est terminant. On est parti voir la sorcière, les petits amis. Oh, il y a 6h20. Elle est au tout nord de la forêt. D'accord. Pour moi, y aller. Vous trouvez le moyen pour aller voir la sorcière. Si vous savez où elle est. Moi non. Ouais, super. Peut-être là. Les mondes en trait, de façon perdue à force. Comment on a accès à tout ça? Y aller là. Là. C'est ici sa maison. Très bien. Trouver un moyen d'y aller maintenant. Peut-être avec la baguette, y'a moyen. Je trouve un petit trou où monter. Attends, la baguette, elle peut me récupérer ça là? Très bien, trouver un moyen d'y aller maintenant avec la baguette. On va essayer de trouver ce chemin hein, tranquillement. On n'est pas pressé, on s'amuse bien. C'est par là, c'est là, le chemin de la fée, je crois ça. Oui. Là, c'est le chemin de la fée. Alors, on n'est pas allé derrière par contre. Hein. On va trouver un chemin pour aller derrière. Prendre à nager plutôt. Okay, on s'en fout. On s'en fout de moi apparemment. Ah bah tiens, voilà. Il a libéré la porte. Ok. On peut avancer. C'est pas la ferme qu'il faut passer. On avance dans l'enquête. Hein. C'est malin. Hein. Ils sont malins. Hein. Allez. On va leur tout casser chez eux d'abord. Super. Je peux passer la porte là? Non. Je peux pas passer par là? Ah, mais ça me sert pas d'avoir une clé. Pourquoi j'ai une clé? Ça me dit si je peux rien faire avec. Jeu de merde. Jeu de merde. Ah ok, ça leur ferait peur mais quand même. Ah, quelle malchance. Mais c'est la clé de la ferme. Je sais pas comment tu as fait pour l'acheter, je te remercie. Comment tu t'appelles? Gâteau. C'est un joli nom. Il y a une autre part de notre ferme si tu veux aller au lac Ilia. Merci beaucoup Gâteau. Va nous voir quand tu veux. Rentre. Du lait. D'accord. Maintenant on peut y voir la sorcière du coup, logiquement. Ah, attendez. Là il y a un chemin, ça mène à quoi ça? Là il faut plusieurs links, il faut faire ça. Voilà, super. Génial, tout le monde est super content. Le monde est magique. C'est incroyable, on descend là, super. Très bien. On avance dans l'aventure les petits amis. You
YouTube. Des bisous. C'est un épisode assez long. On a recherché pas mal de choses. On est, on s'est perdu un petit peu. On s'est promené. On a avancé. On a découvert le marécage. Il faut trouver les gants. Et ça sera la suite du prochain épisode que tu retrouveras en VOD. Le stream ne bougeait pas. On reprend de suite.